Laurent Marat a des choses à vous dire, André Manoukian. Allez-y, Laurent. André, je vous demande de vous arrêter. André Manoukian, c'est un immense honneur d'être en face de vous aujourd'hui. Vous, la figure emblématique de la musique, compositeur et interprète de génie. Mais pourtant, je dois vous faire un terrible aveu. J'ai été très jaloux de vous. Oui, vous avez été, sans le savoir, le sujet d'une des dernières disputes avec mon ex. Laquelle ? Arrêtez, ne faites pas passer pour un séducteur, Fabienne. C'était en 2013, oui, oui. Oui, le sujet d'une des dernières disputes avec Fabienne, justement, juste avant notre rupture. Nous sommes en septembre 2013, on dirait une intro à la Pierre Belmar. Nous sommes en septembre 2013, le début de la soirée est idyllique, je l'aime, elle m'aime bien. Aucun nuage à l'horizon, nous venons de fêter nos 3 mois, les noces de latex, très agréable. Et comme tous les couples, nous avions nos petites habitudes. Le mardi, c'était la nouvelle star avec plateau sushi, sashimi, maki, yakitori, sauce sucré salé, wasabi gingembre. Oh, c'était tellement bien. J'envisageais même un 4e mois. Quand tout à coup, c'est le drame, la douche froide. À la vue de votre visage à la télévision, mon ex se dresse tel un épagnol breton en période de chasse et me jette au visage cette phrase que je n'oublierai jamais. André Manoukian, c'est exactement le genre de mec qui me fait craquer. Sans le savoir, elle venait de déterrer mon plus vieux complexe, le complexe d'infériorité face aux musiciens. J'ai passé mon adolescence à me foutre des hectolitres de gel dans les cheveux, à brosser soigneusement ma moustache de duvet à ruis, me ruiner en dermato pour éradiquer mes boutons. Tout ça pour voir le guitariste du bahut, celui avec les cheveux gras, le jean troué, la clope au bec, rouler des pelles à tout le collège. J'aurais voulu, moi aussi, fumer, aimer et chanter avec une voix abîmée, rock, sexy. Smoke on the water. Mais je suis asthmatique. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû prendre plus au sérieux les cours de musique au collège. Mais en même temps, Madame Lomonier, notre prof, nous faisait jouer de la flûte. Ouais. Il y a mieux pour emballer les filles que de la flûte. T'as déjà vu un mec dans une soirée faire craquer toutes les meufs en disant « Je vais vous jouer de la flûte. » Non, non, moi je voulais être comme vous, André Manoukian, un musicien sexy, un musicien qui pleure d'émotion en racontant aux femmes des anecdotes que lui seul comprend. La musique de tes yeux me fait penser à l'album de Money Jungle de Duke Ellington, sorti en 1962 sous le label Blue Note. Oh putain, c'est tellement puissant. Et ta voix si mélodieuse me rappelle tellement un riff de guitare de Ray Cooder. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire, moi ? Tes cheveux me font penser à la Zoubida de la gaffe. En tout cas, même si je suis un peu jaloux, je n'aurais échangé ma place pour rien au monde. Soit aujourd'hui, face à vous, mieux, parce que vous êtes la légende de la musique. Mieux, vous êtes la musique, André Manoukian. Et vous recevoir aujourd'hui, hein, nous permet à nous, à moi, à tous les auditeurs, de terminer la semaine sur la plus belle des notes. Oh,